Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7 au programme ce soir, direction l'UAV Show. C'est le salon professionnel du drone qui a ouvert ses portes aujourd'hui au Pingalan à Mérignac, un salon que vous allez suivre toute la soirée avec Bastien Loquet. Exposant 10 nationalités avec un pays à l'honneur, c'est le Japon à l'UAV Show. 5e édition, c'est le salon de drones civils le plus important en France. Des drones, il y en a beaucoup, comme celui derrière moi, qui sert notamment à tirer des câbles. Mais les drones, on le retrouve dans de nombreux domaines professionnels. Le drone qui pose beaucoup de questions, mais également, certainement, des drones qui seront dans votre vie bientôt, d'ici 10 ou 20 ans. L'UAV Show, on en parle. Voilà, l'UAV Show, on en parle donc tout au long de cette soirée avec Bastien Loquet et ses invités, et notamment François Bafou, l'organisateur de ce salon, et Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis ce soir, gros plan sur le kitesurf en Gironde. Dans votre émission Découverte, vous rencontrerez des passionnés de glisse qui connaissent les spots du Cap Ferret comme leur poche. Et un peu plus tard, le décryptage de l'actualité, c'est avec les journalistes de Sud-Ouest dans votre talk show Commentaires Libres. Et tout de suite, les titres de l'actualité. Nouvel épisode dans le feuilleton du rachat du club des Girondins de Bordeaux. Le potentiel repreneur doit être auditionné demain par le conseil de Bordeaux Métropole. Nous sommes en direct avec Vincent Feltès, élu socialiste à la Métropole. Vous allez le voir, il émet des doutes sur ce projet de reprise du club des Girondins. La Zombie Walk revient le 27 octobre à Bordeaux avec toujours le même problème, celui du parcours du défilé. La préfecture a refusé le parcours initialement prévu dans le centre-ville par les organisateurs. Après de longues négociations, aujourd'hui, ils ont finalement réussi, si vous allez le voir, à se mettre d'accord. Une nuit au milieu des livres, la nuit des bibliothèques revient ce week-end pour sa 2e édition bordelaise. 25 bibliothèques de la métropole y participent, l'occasion de découvrir ces lieux d'un nouvel œil. La météo avec une journée maussade demain, retour de la pluie sur toute la Gironde dans l'après-midi avec de fortes rafales de vent, notamment sur le Médoc et le Blayais. Et température maximale 25 degrés à Bordeaux, il fera 22 sur le littoral. Le rachat du club des Girondins au cœur des préoccupations de la métropole. Une commission se réunit demain pour auditionner le potentiel repreneur du club et notamment Joseph Dagrossa, le président du groupe américain GACP qui veut racheter donc le club des Girondins. Un rachat qui questionne, vous allez le voir, nous sommes au téléphone avec Vincent Feltès, conseiller métropolitain du Parti Socialiste. Alors à la veille de cette audition, Vincent Feltès, vous émettez des doutes sur ce rachat. Pour vous, les garanties apportées par le groupe américain ne sont pas satisfaisantes, c'est ce que vous dites. Oui, déjà nous avons bien fait d'émettre des doutes hein, parce que M. Dagrossa va être auditionné et la délibération. Qui nous est présentée vendredi prochain est différente de la délibération présentée il y a 2 semaines. Moi, j'ai 2 questions que je vais poser précisément à M. Dagrossa. Première question, c'est que représente-t-il exactement, puisque en fait, quand on lit le rapport de la DNCG, qui est le gendarme du football, on se rend compte que M. Dagrossa n'est actionnaire qu'à 15% du rachat du club. Qu'en fait, les vrais propriétaires, ce sont King Street, avec un montage financier extrêmement complexe. Donc, quelle est la réalité des responsabilités et des engagements? Ce montage financier complexe va être rémunérateur dans les 5 premières années pour King Street et pour GACP, avec des prêts pratiquement à hauteur de 10%, des actions rémunérées à 12,5%, des frais de dossier de 10 millions sur 110 millions d'euros. Donc il y a toutes ces interrogations. Deuxième interrogation, on voit bien que nous avons affaire à des financiers, pourquoi pas, mais ce qu'il nous faut, ce sont des professionnels du football. Donc concrètement, qui va être le prochain président des Girondins de Bordeaux? Il y aura un conseil de 9 membres, dont 5 membres nommé par GACP, et on ne peut pas voter cette délibération sans savoir les garanties que nous aurons en termes d'expertise footballistique. Nous sommes toutes et tous attachés aux Girondins de Bordeaux, qui en plus viennent de fêter leur anniversaire. La métropole, chaque année, perçoit un loyer de l'ordre de 4 millions d'euros. Il nous faut ces garanties. Vincent Feltès, on rappelle donc que vous teniez aujourd'hui, il y a un instant, une conférence de presse pour expliquer ces doutes que vous émettez au sujet de ce rachat du club des Girondins. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette audition de demain? Elle va être vraiment déterminante pour la suite?
Oui, en tout cas, moi, elle sera déterminante pour mon vote. Je ne suis pas dans la position de faire capoter la vente. Mais en même temps, face à ce degré de technicité financière, face aux expériences malheureuses, je pense à Lens, à Sochaux, à Milan, potentiellement à Lille, il est du devoir des élus métropolitains d'être extrêmement exigeants. Merci beaucoup Vincent Feltès. On rappelle donc que Alain Juppé tiendra demain une conférence de presse suite à la réunion des élus de la métropole sur ce dossier du rachat des Girondins. Ils doivent auditionner Joseph Dagrossa, le président du club, du groupe américain GACP et potentiel repreneur du club des Girondins. Un point presse que vous pourrez donc suivre en direct sur TV7 demain à partir de 19h30. Dans l'actualité également, cet accident mortel sur un chantier d'Eure Atlantique à Bordeaux. Hier matin, le plafond d'un immeuble en travaux s'est effondré sur des ouvriers. L'un d'entre eux est décédé. Les deux autres ont été légèrement blessés. Une enquête a été ouverte, notamment pour savoir si les règles de sécurité sur le chantier étaient respectées. Et puis dans l'actualité également, les zombies vont bientôt réinvestir les rues de Bordeaux, mais pas de quoi s'inquiéter. C'est un défilé prévu à l'occasion de la Zombie Walk le 27 octobre prochain. Ce sera la 9e édition, ce qui fait de cette marche la plus ancienne de France. Mais l'organisation pose toujours problème entre la préfecture et les organisateurs. De longues négociations ont eu lieu cet après-midi. La préfecture a initialement refusé un défilé dans le centre-ville. Écoutez. Là, on a dû retravailler un trajet qui garde le sens de la Zombie Walk, c'est-à-dire on reste en centre-ville, on s'est vraiment appuyé sur le fait qu'on souhaitait rester en centre-ville et donc on n'a pas revenu à trouver un accord pour rester en centre-ville, c'est-à-dire qu'on va faire un départ des quais, rentrer au niveau des Chartrons, passer par les allées Tourny, le Grand Théâtre, la place du Parlement, retrouver après la place de la Bourse qui est la place fétiche donc à la Zombie Walk et revenir au départ des quais sur lequel le départ va être lancé. On voulait vraiment rue Porte-Dijot, rue Sainte-Catherine, mais là c'est une fin de non-recevoir de la part des autorités. Donc on a trouvé un accord pour aller sur des parties quand même un peu historiques et touristiques de Bordeaux, puisqu'il est inconcevable de faire venir des gens qui participent à la Zombie Walk, qui viennent de toute la région, Angoulême, Pau, même de très loin, de Biarritz, etc. C'est inconcevable de les faire venir dans les rues qui ne méritent pas d'être fréquentées. Voilà, la Zombie Walk à Bordeaux, ce sera donc le samedi 27 octobre prochain. Et si un samedi soir vous sortiez en bibliothèque, c'est en tout cas ce que vous propose ce samedi 25 bibliothèques de 20 communes de la métropole bordelaise. Pour sa seconde édition, cette nuit des bibliothèques vous offre un programme chargé entre escape game, tournoi de jeux vidéo ou encore DJ set électro, de quoi réinventer complètement l'image de ces lieux d'ordinaire calme et sérieux. Yannick Laborde. Désacraliser les bibliothèques de la métropole. Pour y parvenir, les organisateurs renversent pour un soir les livres et s'adaptent à la société. Culture de l'écran, activités multiculturelles, les bibliothèques se mettent à la page. Dans chaque bibliothèque qui ouvrira exceptionnellement jusqu'à 22h ou minuit, on pourra assister à toute une série d'événements, de manifestations, d'expositions, de concerts, d'apéritifs, de jeux, d'activités à caractère ludique pour faire découvrir la bibliothèque sous un jour un petit peu neuf, un petit peu inhabituel, en essayant de désacraliser un peu l'image que peuvent avoir les bibliothèques auprès du grand public. Des animations gratuites pour les enfants, tournois de jeux vidéo ou du yoga par exemple. Cette année, la BD est à l'honneur puisque Vinschlus, l'auteur de bande dessinée et co-réalisateur de Persepolis, est le parrain de cette édition. Un programme spécial attend même les visiteurs de la bibliothèque Mériadec. On aura des escape games, des quiz, des visites enchantées dans les réserves de la bibliothèque sur le thème des monstres, des contes frissonnants, là encore dans les souterrains de la bibliothèque pour les enfants. Ce soir-là, il se passe énormément de choses dans les espaces, dans tous les espaces de la bibliothèque, ceux qui sont accessibles au public, mais ceux aussi qu'on ne voit pas en temps normal. Un samedi soir iconoclaste donc. L'an dernier, près de 9000 personnes avaient participé à la nuit des bibliothèques. Rendez-vous demain soir pour le lancement de cette deuxième édition à la médiathèque de Blanquefort. Et puis les Walters du sport reviennent pour décorer les meilleurs sportifs et dirigeants du sport amateur. Une cérémonie qui a lieu le 19 octobre prochain à Martignas-sur-Jal et en direct sur TV7. Et ce soir, gros plan sur les nommés dans la catégorie cyclisme. Regardez.
Je m'appelle Frédéric Guichard, je suis président du club de BMX à Cannes-et-Jean. On a cette année 145 licenciés. On a une section draisienne qui commence à partir de 2 ans. Et après, sur des vélos un peu plus grands, à partir de 4 ans, 4 à 6 ans. Et après, il y a des enfants, des adultes et des compétiteurs de tout âge. Le BMX est très, très physique et très technique parce qu'on a besoin d'enchaîner des bosses le plus vite possible. Cet été, on a eu donc des résultats en championnat de France avec un pilote qui a fait 3e et on a une pilote qui a fait 5e au championnat d'Europe. C'est plutôt de bon augure pour la suite. Je m'appelle Boissavi Gérard, je suis président du Vélo Club Bazas Bernos-Bollac. Nous sommes une trentaine de membres entre l'UFOLEP et la FFC. Disons qu'on a eu une pépinière de très très grands coureurs qui après bien, nous ont quittés parce qu'on n'avait pas les moyens de les faire évoluer dans l'étage supérieur. Nous, c'est un club, c'est l'amitié, c'est un peu familial. Nous, on ne se pose pas trop de questions, on ne se monte pas la tête, on s'amuse. Mais bon, on est là pour passer un bon moment et essayer de faire progresser quelques jeunes qui sont au club. On a eu des victoires, on a eu des places de seconde, de troisième, de quatrième. Donc c'est satisfaisant pour les dirigeants et pour les coureurs. Je m'appelle Jean-Michel Labec, président de l'Union cycliste arcachonnaise. Au niveau des licenciés, donc 58 licenciés, 27 coureurs FFC. Nous avons cette année un champion du monde master dans notre équipe. On a des coureurs qui vont de la première catégorie jusqu'au pas cyclisme, donc tous les étages de la fédération, du niveau sportif. Avec nos 27 coureurs, on est très présents sur les courses, on montre le maillot. Aujourd'hui, le vélo est quand même un sport difficile. Bon, c'est vrai qu'on voit moins de courses organisées, moins de coureurs. Bon, on peut dire que nous, avec le Lucien Arcachon, on reste très présents. Voilà, les Walters du sport, c'est donc le 19 octobre prochain à Martignas-sur-Jalles et vous pourrez suivre la cérémonie en direct sur TV7. Et puis c'est une première mondiale, un tronçon de l'autoroute A10 en bitume recyclé a été inauguré hier à Saint-Christoly-de-Blaye. Pour construire cette portion, une usine mobile a été mise en place, capable de fabriquer donc des enrobés presque uniquement composés de matériaux recyclés. Une autre expérience similaire est menée en Gironde, sur la route départementale 670. La société Eiffage a refait la chaussée sur 2 km avec un mélange de bitume recyclé et de résidus de déchets de l'industrie papetière. Le point sur vos conditions de circulation, attention à ces fermetures du pont d'Aquitaine cette semaine. L'ouvrage est interdit dans les deux sens de circulation cette nuit ainsi que dans la nuit de jeudi à vendredi. Une fermeture pour cause de travaux de rénovation. Restez avec nous sur TV7 tout de suite. Direction l'UAV Show, on retrouve Bastien Loquet et ses invités pour parler de l'avenir du drone.